Bonjour à toutes et à tous, c'est Aza, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui le mode Pro Cyclist sur PCM 2016 ou plus communément appelé Pro Cycling Manager. Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va découvrir ce mode Pro Cyclist. Dans ce mode Pro Cyclist, vous prenez la destinée de votre coureur cycliste et il faut l'amener au plus haut des sommets du monde professionnel. Voilà, allez c'est parti. Alors avant toute chose, le jeu prend en compte les modes que les joueurs mettent sur le Steam Workshops. Donc du coup vous avez gratuitement le pack des vrais noms qui est disponible grâce à une base de données française. Vous avez la base de données, les maillots, les mini-maillots et les photos. Ça c'est très très bon. Téléchargez-le avant de prendre le jeu tout simplement. Et ce sera impeccable, vous allez voir. Allez, on crée la partie. Bienvenue dans le mode Pro Cyclist de Pro Cycling Manager 2016. Afin de vous guider au mieux, une assistance vous est proposée. Activer le tutoriel pour débutants. Oui, on va le faire. Alors ici, choisir le nom. Bon, on va prendre le nom. On va prendre, je sais pas, on va mettre Japan. Aza. On va prendre mon pseudo. Je suis français, oui. Et alors, français, il est où? Ouh là là, il y a. Ah, il faut que je choisisse ma région. Ben moi, je suis de la région. Yupaka. Yupaka. Iyu. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. On va prendre ma taille. Je suis un petit format. Vous allez voir. Je vais mettre ma vraie taille. C'est ma vraie taille. Voilà. Et on va mettre 61 kg. Voilà. La couleur de peau. Bon, elle, c'est classique. Pilosité. Voilà, on va le mettre. Ah, d'accord. On voit un peu de barbe. Bon, pas de pilosité. Voilà. Voilà, il faut vraiment zoomer pour voir un peu la dégaine qu'ils ont, la tête qu'ils ont, ça se ressemble tous. On va prendre celui-là, il me paraît pas trop mal. Et on peut changer la photo, bon, on va laisser comme ça. Voilà. Alors, âge, bon, on va mettre 20 ans, on va commencer à 20 ans. Je vais pas mettre mon âge, sinon il est déjà près de la retraite. Alors, point fort. Alors, le point fort, moi je suis grimpeur. Voilà, le grimpeur n'aspire qu'à une chose, monter l'école plus vite que ses adversaires. Potentiel, classe mondiale, excellent, grand champion. Plus le potentiel est élevé, plus le coureur aura la facilité de développer ses caractéristiques au cours de sa carrière. Pour débuter dans ce mode, il est conseillé de jouer avec un potentiel grand champion. Eh bien, on va jouer avec le mode grand champion. C'est parti. Alors, on me propose mon équipe. Le Continental Pro Delco Marseille Provence. Équipe de l'armée de terre ou Fortuneo Vital Concept. Alors, vous avez deux équipes Continental Pro et une équipe Continental. Ah d'accord. Votre classement dans l'équipe, 15 sur 17, 7 sur 19, 19 sur 24. Effectivement, si on prend Continental Pro, ce sera pas super super. On va partir dans l'équipe de l'armée de terre. Voilà, on va être militaire les amis. Comme ça, je suis 7ème sur 19 dans l'équipe. Je suis premier grimpeur sur 19, ça c'est très bien. Puncher 3 sur 19. Allez, c'est parti pour l'armée de terre. Bon bah les amis, on est inscrit pour la première course de la saison, la Scénic Cup 1, Saint-Sébastien. Donc du coup, je sais pas combien de kilomètres ça fait, mais on va voir ça. Et il y a 6 coureurs par équipe, et je suis dedans. Voilà. La forme, c'est très moyen. Là, oh, il y en a qui sont en médiocre. Bon, il faudra voir selon les entraînements au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Stratégie de course, rôle électron libre. Tu as carte blanche sur la course, fais au mieux. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs dans cette catégorie là apparemment. Autre coureur, armée de terre, Duval, Baudio, Le Breton, équipier, baroudeur, c'est Ferras. Ok, donc du coup je peux pas sélectionner les autres coureurs vu que je joue que mon coureur, donc du coup on va se mettre sur mon coureur là. On regarde un peu ce maillot de fou furieux de l'armée de terre, waouh, je suis militaire. Excellent, excellent les amis. Bon, c'est parti, on revient sur mes premiers amours, Pro Cycling Manager. Voilà, j'avais commencé la série sur le premier Pro Cycling, pas Pro Cycling, mais ça s'appelait Cycling Manager à l'époque. C'était génial. Voilà un pari audacieux. On va rester un peu à l'arrière. Ça attaque, ça attaque. On va rester à l'arrière ou pas? On va les relayer un petit peu. On va se remonter un petit peu. On va faire relayer pour remonter. Le curseur 70, ça me suffit. On est grimpeur, donc du coup ça peut être une étape de baroudeur, surtout c'est pas pour nous. Nous, je veux être un grand grimpeur, donc du coup on n'est pas pressé. Aujourd'hui c'est tranquille. Voilà, mes coéquipiers sont là.
Voilà, ils sont affichés directement. Je Les pense gars, il n'y en a qu'en pour faisant plus d'une ceci, on minute. peut afficher tous les coureurs. Top 10 au général. Coureur du top 10 classement Oula! Quelle montagne, etc. attaque! etc. Voilà. Ok, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. On peut tout afficher, mais par question de. Oh, garder sa position. Par question de fluidité du jeu, on va laisser comme ceci. J'ai enlevé l'effet bloom parce que l'effet bloom c'est dégueulasse, c'est le flou, c'est dégueulasse. Le jeu tourne au maximum avec ma carte graphique GTX 970 et ça a l'air pas trop trop mal. Voilà, ça a l'air pas trop trop mal. Et quand on zoome, faites voir un peu. Waouh, ça va, c'est assez bien fait. Donc, du coup, le jeu au maximum c'est pas mal. Allez, on va se remettre sur notre coureur ici. On n'est pas pressé, on va papoter. Voilà, bon, est-ce que vous voulez une série sur ce Pro Cycliste, ce mode Pro Cycliste sur PCM 2016? Dites-moi-le, je vous ferai cette série-là. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Mon nom, Japan, je suis coureur de l'armée de Plus de deux terre. minutes Voilà, d'écart au dernier dites-moi si vous voulez qu'on pointage. continue cette série avec mon coureur, qu'on le fasse évoluer au maximum. Ce sera une série régulière, mais pas une série tous les jours. Voilà. J'ai pas envie de me forcer à faire une série, une vidéo par jour. Voilà, ce sera peut-être deux ou trois vidéos par semaine. Donc du coup, à la cool, tous ensemble sur ce Pro Cycling Manager avec mon personnage créé à l'instant. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une série et je vous ferai cette série-là. J'ai pas envie de faire Tour de France cette année. Donc du coup, je pars en vacances en juillet. Donc du coup, je vais pas me presser. On fera une série à la cool sur ce mode, tout simplement. Revenons à mes premiers amours sur Cycling Manager. Voilà. Du moins Pro Cycling Manager, pardon. Petit lapsus. Ça a quand même assez vieilli. J'ai regardé un peu les vidéos la dernière fois de Cycling Manager, premier du nom et du deuxième. Waouh. Ça a largement vieilli. Ce serait injouable maintenant, mais. Voilà quoi. Pour C'était que du l'instant, les bonheur à coureurs l'époque. J'avais s'économisent un passé peu. énormément, énormément de temps. Des nuits blanches entières. C'était la folie, c'est un peu comme ceux qui font du football manager à gogo. Ben, c'est pareil pour moi. Le cyclisme, c'est ma passion. Et on va jouer ensemble sur ce jeu. Si vous le voulez bien, bien entendu. Si vous voulez pas cette série-là, je la ferai pas. De toute façon, je vais pas me forcer. Et je vais pas vous forcer à regarder une série que vous avez pas envie de voir. Voilà. Mais en tout cas, ça peut être sympa, ce mode pro cycliste. C'est un peu comme les modes mon joueur sur NBA 2K, FIFA, etc. etc. On prend la destinée d'un coureur que l'on crée. Ça, c'est cool. Ça monte, ça monte, ça monte. On peut voir un peu le dénivelé là. C'est sympa. Hop. Bon, nous, on va rien faire aujourd'hui. On va rester dans le peloton. Dans le mini peloton, il y a combien de coureurs? 108 coureurs en tout. D'accord. Est-ce qu'on peut les voir les L'échappée a échapper? vraiment creusé Je peux pas voir l'écart. les Plus de échapper? 5 minutes et le peloton ne semble pas Attendez. réagir. Ah, je peux pas aller voir les échappés. C'est quoi ce délire? D'accord, je peux pas voir les échappés. D'accord, on est vraiment focalisé que sur notre coureur. D'accord, bon. Ça marche, ça marche, ça marche. Là, vous avez. Ah, si, on peut les voir comme ça. Bien. D'accord, ça, c'est la moto. La moto 1. Certes, mais. Je peux pas les voir autrement. Et avec. Avec l'hélicoptère, non, pas du tout. Pas du tout. Bon, ben ça marche. On va revenir sur mon coureur là. Voilà. Ici. On est pépère. C'est vrai qu'on a des maillots un peu commando, hein. Hop. C'est trop bizarre. Des coureurs que je connais pas du tout. L'avance se réduit. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour Hop, au 5 vu de minutes la montée en 25 de rythme du retard. peloton. Faut bien gérer tout ce qui est ravitaillement. Mais là, ça va être une étape tranquille. On peut même avancer un petit peu. Allez, jusqu'à x8. On va avancer un petit peu. Tranquillement. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le Tour de France 2016, mais cette fonction est apparue pour l'avance rapide. Ça, c'est très bien sur le Tour de France 2016 sur console. À défaut de voir juste le profil qui avance au fur et à mesure, là on voit les coureurs avancer et vous voyez tout en direct. Et ça c'est très bien. Je me demande pourquoi il n'avait pas fait avant sur Tour de France 2016. Alors, on reste aux avant-postes, on sait jamais s'il y a des chutes, mais bon, à cette allure-là, je pense pas qu'il y ait des chutes. Le peloton semble vouloir reprendre l'échappée. Ça roule fort 4 et minutes l'écart est en train de 50. diminuer. Le
rythme imposé est vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. D'accord, je peux vraiment rien interagir avec mes autres coureurs. D'accord. Ils peuvent même pas me protéger, rien du tout. Ça se fait automatiquement. Bon. Ok, ok. Il y a la grosse côte qui arrive, là, la grosse côte du jour. Il fait pas super beau le temps là. On va se mettre comme ça. On va pas tenter quelque chose, mais on va voir si mon coureur est un futur grand en montagne. On va essayer de tester tout ceci. En tout cas, il est assez fin, assez représentatif des caractéristiques que j'ai mis. 1m68. C'est que les gabarits, on les voit quand même. Regardez celui-là, il est quand même assez grand. Kirsch. Ouais. Ça va, les gabarits sont assez bien respectés. C'est pas toujours les mêmes. Bon, les visages, c'est pas top, mais bon. Ça n'a jamais été la force du jeu. Il nous reste 90,2 km. Alors, nous sommes la barre noire. La première barre que vous voyez en transparence, c'est les échappés. 4 minutes 30 de retard. Ah, déjà, ça commence à s'élever. Mon coureur, il est en poste. Pas trop forcé. Il est à 70. Ça clignote, donc du coup, on va baisser un petit peu. Ne pas trop forcer, ça sert à rien. Des beaux effets. Ça va, quand on voit qu'il y en a qui se déhanchent là, qui forcent un peu plus, le mien ça va, il est assez cool. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Allez, on va se remettre derrière comme ceci. Mesurer l'écart, définir source, se placer ici. D'accord, je peux quand même placer mon coureur comme je veux. Par exemple, si je veux lui dire, viens te placer ici, place-toi là-bas, il va y aller. Théoriquement, il y va. Hop. Il y a déjà un mec qui est en retard. Fais un peu, on va reculer un petit peu ce qu'on le voit. Oula, eux sont à la ramasse. Voilà, on revient. Essayer de zoomer un petit peu parce que les arbres me gênent un petit peu. On a une petite forêt. C'est pas une grosse côte. Hein. Ça va, il a l'air assez bien en montagne. On verra ça par la suite de la saison. De son évolution au niveau professionnel. Le marchand, il est français. Un espagnol, un autre espagnol. Un hollandais. Au moins, mes coéquipiers, je pourrais pas les perdre. Hein. On voit bien le maillot. On est tous devant, là. Hop. Faut pas oublier le ravitaillement non plus. Hein. Vous pouvez voir que le ravitaillement, je suis à peu près à moitié. En cliquant ici, je prends le ravito. Donc, du coup, on va rester à 65. Hop. Le gel énergétique, c'est pas la peine. Ok. 3 minutes 25 de retard sur les échappés. Et un coureur qui est déjà lâché. De plus d'une minute 35. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Allez, on va avancer un petit peu. Hop. Hop. On peut faire pause en revenant comme ceci. Ou P normalement sur le clavier. Je ravitaille. Allez, on a mis en marche le ravito. Et on y va. C'est parti. On continue. Il va se ravitailler. Ça, c'est très très bien. Hop. Et vous pouvez voir qu'il recule. On va le suivre. Il redescend au niveau des voitures pour prendre le ravitaillement. Voilà, de toute façon, on va revenir peut-être sur les échappées. 3,29 de retard. Ah, quoique, pas forcément dit, mais bon, il reste 67 km, donc du coup, ça va aller. Vous allez voir. Hop, je me remets sur mon coureur. On va accélérer un petit peu. Et là, il remonte. C'est parfait. Allez, vous pouvez voir que quand si je fais un clic droit sur Bodio, je peux aller le protéger. C'est pas mal, je peux protéger mes autres coureurs. Attention, ça monte assez sévère là. On va se remettre sur mon coureur. On reste à 65. Les petites échappées. On a 2 minutes 28 de retard. On va les rattraper au fur et à mesure que l'étape avance. Mon coureur a l'air pas trop mal.
va se mettre comme ça. On va bien le déniveler, c'est cool. Un peu plus comme ça, c'est pas mal. Voilà. Je vais essayer de tenter un petit truc pour voir ce que ça donne. Oh mon coureur. Voir s'il est assez à l'aise. Pas trop forcé non plus. Attention, des coureurs en difficulté à l'arrière. Attention, regardez, il est en train de partir. Hop. C'est pas mal, je voulais juste tenter une petite accélération. Ça va, il a l'air assez puncher. Ça a l'air correct. Là, ça va remonter un petit peu. On pourra peut-être en remettre une petite couche. L'échappée fait son chemin. On va tester pour voir. Ont pris la lutte. Allez. Du peloton en main. Ils ne doivent pas on avoir sait jamais. Placé dans l'échappée. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Un coureur tente sa chance en solitaire. Bon, je suis revenu sur eux. Est-ce que ça suit derrière? Ouais, ça suit. Ça suit. Rien d'autre à faire. On va se reposer un petit peu. On va remettre une petite couche. Oh, c'est difficile. Oh, c'est difficile. Mais c'est jouable. Ah, on est bien, on est bien. Personne n'a suivi. Personne n'a suivi. On va se relier tout seul. Petit à petit. On va se mettre à 70. Oula, ceux qui mènent le train ne vont pas se faire que des amis. Bon, ça revient, ça revient. Ça se reste 20 km. On est sur le circuit là, de toute façon, je crois qu'on est déjà passé par là. C'est un tout petit circuit là, après on va refaire la même côte, parce que là on refait trois fois le même circuit. Il y a 4 coureurs, 5 coureurs derrière moi. Allez, dernier tour. J'ai 15 secondes d'avance sur les 5 derrière moi. Le peloton ils sont 62. Il y a encore des retardataires là, un truc de fou derrière. On peut voir sur la map. Ils vont revenir. Gardons un peu des forces. Je vais prendre le gel énergétique juste avant. On va le prendre ici. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. De toute façon, on perd rien à tester, donc on va tester un peu une autre attaque. Alors, on va mettre une petite couche. Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. Ça se bagarre à l'avant. C'est sur de tels pourcentages voilà, ouais. Que les plus costauds Kirsch. Peuvent poser un écart. Attention. Commence à fatiguer. Attention mon coureur. On va garder notre position pour l'instant. Oh, c'est pas le peloton, c'est pas le peloton. Des coureurs qui sont revenus sur moi. On va se mettre à 65. Là, c'est le peloton derrière. Et mes coureurs aussi derrière. Allez, 7 km 300. Les coureurs approchent de l'arrivée, ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Attention. Ça va être chaud. Attention, un leader est décroché. Ça commence à revenir derrière. Ne pas tenter un sprint maintenant.
Comment ça va se jouer là? Ça va être chaud. Le sprint final est Allez, c'est lancé, ça parti. va très vite maintenant. Mais on a vu un peu ce que ça donnait, cette première étape, Il a arraché de la la victoire carrière sur pro ce sprint cycliste. massif. Il Ben, peut c'est vraiment remercier sympa, on ses finit dans le équipiers premier groupe, qui l'ont un amené dans bon de petit bonnes conditions. puncher, je pense qu'on a un bon petit coureur là. Il faudra voir un peu ce que ça donne, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la Les chaîne. Dites-moi si une retardataires série vous continuent plairait sur à ce jeu, arriver. du moins dans ce mode de jeu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, ciao!